Bonjour les copains. Aujourd'hui, la classe 6 des Fontanilles va travailler sur le printemps. D'abord, nous allons regarder quel jour nous sommes. La dernière fois, nous avions travaillé samedi. Samedi 21 mars. Mais samedi est fini. Il faut en bas. Après samedi, il y a dimanche. Dimanche 22 est fini. On va le barrer et je vais voir. Nous sommes lundi 23 mars. Alors, je vais chercher l'étiquette lundi à 23. Il faut que je l'écrive. Et là, c'est mars. 23, ça s'écrit comment déjà? Ah oui. 2 et 3. Nous sommes donc lundi, lundi, 23 mars. Alors, je suis revenue dans le jardin puisque je vais vous montrer avec vos idées comment je vais pouvoir faire mon bouquet de 5 fleurs. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous avais demandé de me donner des idées avec des fleurs mauves et des fleurs jaunes. Et vous m'avez apporté de jolis dessins et de jolies photos. Merci beaucoup. Je vais donc, comme le bouquet de Gabin et de Lisa, prendre 3 fleurs mauves et 2 jaunes. Puis, comme Maëlle, prendre 3 jaunes et 2 mauves. Et peut-être que j'ai d'autres idées à vous montrer pour ce bouquet. Oh, mais j'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est? Oh, un magnifique papillon vient butiner la fleur avec sa longue trompe. Vous avez vu comme il est beau? Ça vous donne une idée. J'ai envie d'écrire le mot papillon et la phrase le papillon vole et de fabriquer de jolis papillons. Je vous montrerai mes idées juste après. Pour faire le bouquet de 5 fleurs, on pouvait faire 3 fleurs mauves. 1, 2, 3 et 2 fleurs jaunes. 1, 2. Et on avait 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Bravo les enfants. Je pouvais aussi faire 3 fleurs jaunes. 1, 2, 3 et 2 fleurs mauves. 1, 2. Et on avait bien 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'ai encore une idée. On pourrait aussi faire 4 mauves. 1, 2, 3, 4. Et combien de fleurs jaunes alors? Oui, très bien. Une fleur jaune. Et j'avais bien 1, 2, 3, 4
et 5 fleurs en tout aussi. Et enfin, je pouvais mettre 1, 2, 3, 4 fleurs jaunes et une mauve. Et j'avais bien 1, 2, 3, 4, 5 fleurs aussi. Merci beaucoup les enfants. Alors les copains, on va écrire la phrase aujourd'hui. La phrase, d'abord, le mot, le papillon. Ça, ce n'est pas une phrase. Ce sont juste deux mots. Le papillon. Deuxième mot. Oui, Barry? Oui, je sais comment faire une phrase. Montre-moi. Regarde. Le papillon vole. Et j'ai mis un point. Bravo, Barry. Et tu l'as écrit en attaché. Super. Oui. Mais j'entends quelque chose. Qui est-ce qui revient? Oh, Monsieur Papillon est arrivé pour voir notre phrase. Ça vous plaît? Oh, merci. C'est très gentil de votre part. Mais regardez toutes les fleurs que nous avons ramassées. Vous croyez que vous savez les compter toutes jusqu'au bout? Vous pouvez m'aider? 1, 2, 3, 4. Cinq, six, sept, huit. Nous avons 4 fleurs mauves, 4 fleurs jaunes. Nous avons combien de fleurs en tout? Oui, c'est très bien, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Monsieur Papillon, tu butines encore ma fleur. C'est vrai que pour toi, c'est ton repas principal. Elle te plaît? Alors je veux bien te l'offrir. Tu peux la prendre. Monsieur Papillon, qu'est-ce que vous avez trouvé? Oh, un papillon en pâte à modeler. Mais avant de le faire, il faut regarder très bien Monsieur Papillon. Vous avez vu comment il est fait? Il est symétrique. Ça veut dire que ce qui est de ce côté est la même chose de l'autre côté. La même couleur, la même forme, la même taille. Et ici en bas aussi. On va donc essayer de faire un papillon symétrique. Soit en pâte à modeler. Mais il nous manque quelque chose. Où sont les antennes? Il nous faut faire les antennes. Alors, préparons nos petits boudins de pâte à modeler. Il faut rouler, rouler, rouler pour faire un long boudin qu'on peut couper en petits morceaux pour les accrocher sur la tête. Il nous en faut combien? Il nous en faut 2. Pour faire le reste, je te laisse t'amuser tout seul avec de la pâte à modeler ou avec de la pâte à sel que tu peux fabriquer à la maison si tu veux. Il y a plein de recettes faciles. Ça te plaît, Monsieur Papillon? Bravo! Regarde, il y a une autre idée. Nous avons fait des formes. Alors, pour cela, j'ai besoin de triangles, de triangles plus petits, de ronds, quatre ronds, deux triangles moyens et deux grands triangles. Nous avons aussi besoin de rectangles, un et deux petits
et un grand. Voyons comment on peut les assembler. Alors, monsieur Papillon, montre-nous ce que tu as fait. Oh, c'est magnifique et c'est vraiment symétrique. Un triangle bleu de chaque côté, un triangle mauve de chaque côté, avec un rond rouge dans chaque triangle, le rectangle jaune au milieu et les deux petits rectangles orange en haut. Bravo, monsieur Papillon! On dirait qu'il veut faire la classe avec nous. Peut-être qu'il en restera un petit peu.